Tes poings ont toujours été plus marquants que ta voix. Et tu es toujours aussi belle que tu l'étais sur Kefalonia. La moitié du temps, j'étais couverte de boue. C'est encore le cas. La vie de paysanne, j'imagine. J'ai reçu ton message. Comment as-tu su que j'étais en Arcadia? Tout le monde cherche la Mystios à l'aigle et à la lance brisée. Alors, j'ai fait mes recherches, moi aussi. Quel que soit l'endroit où je me cachais sur Kefalonia, tu étais la seule à me retrouver à chaque fois. C'est parce que tu ne savais pas te cacher. Peut-être que j'avais seulement envie que tu me trouves. Écoute, on sait toutes les deux que c'était moi qui me cachais le mieux. Je vais te le prouver. Reste ici, ferme les yeux, compte jusqu'à 10 et cherche-moi. Tu plaisantes. Allez, ce sera comme autrefois. Et ne te sers pas d'Icaros, ce serait tricher. Bon, ferme les yeux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. Prête ou pas, me voilà. Tu appelles ça te cacher? Tu as fait des progrès en pistage. Cela fait une éternité que l'on ne s'est pas revu. J'étais pressée de te trouver. Depuis quand es-tu aussi charmante? Depuis ton message. Oh, ce que c'est amusant! Je veux tout connaître de ta vie, du jour de mon départ jusqu'à aujourd'hui. Et moi tout savoir de la tienne. Mes histoires t'endormiraient. Viens. Allons discuter sur la grève comme nous le faisions à Samy. C'est toujours retenir ta respiration. Ma respiration? Sur Kefalonia, tu nageais toujours plus loin et plus profond que n'importe qui. Tu me rapportais de magnifiques trésors du fond de l'eau. Ne bouge pas.
Je ne voulais pas remonter avant d'avoir trouvé le cadeau idéal. C'est splendide. Tu me réchauffes le cœur autant que le soleil. Ton cœur n'est pas la seule chose que je pourrais réchauffer. Cette phrase a déjà marché sur quelqu'un. En fait, pas vraiment. Anaïs, qu'est-ce qu'il y a? Te revoir, jouer et rire comme autrefois. Il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Je me suis mariée. Je vois. J'aurais dû te l'avouer plus tôt, pardonne-moi. Viens me retrouver chez moi, je t'expliquerai tout. Je suis contente que tu sois venue. Ainsi, tu t'es mariée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Te revoir m'a rappelé tant de bons souvenirs que... j'ai voulu en profiter le plus longtemps possible. La vie est dure depuis le départ de Dantos. Où est-il allé? Au début de la guerre, les Spartiates ont réclamé son épée. Il a été tué au combat. Depuis, je tiens la ferme. Et j'élève notre fils. Tu as un fils? Arion.
J'aimerais que tu le rencontres, mais il a encore disparu. Et si nous allions le chercher? Il va toujours dans la même grotte, où il s'entraîne pour devenir un puissant guerrier. Je n'ai jamais rencontré un garçon qui ne rêve pas d'être le nouvel Achille. Oui, bien sûr! Tu m'as donné une idée! Tu pourrais lui parler! Tu es sérieuse? Tu imagines bien qu'il n'écoute pas sa mère! Mais toi, tu as côtoyé la mort! Tu pourrais le persuader de rester à l'écart des combats et de m'aider ici, à la ferme! D'accord, je parlerai à ton fils. Merci! Pour ne pas effrayer ton fils, comment dois-je me présenter? Dis-lui que tu étais une amie de sa mère sur Kefalonia, celle avec l'aigle. Les histoires qu'il préfère sont celles qui parlent de toi. Est-ce qu'il y a des choses au sujet de son père qui m'aideraient à me faire accepter de lui? Dantos s'est cassé un doigt en travaillant au champ. Il est resté tordu. Quand Arion a demandé pourquoi, mon mari lui a dit que sa force de bébé lui avait brisé ce doigt comme une brindille. Ainsi, nous le savions béni d'Héraclès. Je vais voir Arion. Mon mari avait l'habitude de l'emmener chasser dans cette grotte. T'as bien dit des loups? Oui, et c'est ce qui m'inquiète. Il les appelle ses amis. Et crois-le si tu veux, il semble le protéger. Ne leur fais pas de mal, Cassandra. Arion en serait terriblement triste. J'espérais de sortir d'ici. Oh, merci. Merci. Thank you.
Oh non!